dans le monde du vin par hasard. Ça n'était pas du tout prévu. Je n'avais pas prévu ça pendant toute ma carrière de cinéma. Et un jour, j'ai visité cette propriété par hasard, sans avoir aucune envie d'acheter quoi que ce soit. C'était un bel endroit. Le régisseur qui s'occupait des vignes, j'ai vu qu'il y avait des vignes, mais je les ai à peine regardées. J'ai vu qu'il y avait des étangs. Je me suis dit, il y a après la mer, j'ai vu de l'eau. Curieusement, c'est l'eau qui m'a amené au vin. Je crois que je n'en mets pas du tout dans mon vin. Mais bref, il m'a parlé des vignes, il m'a parlé de ce métier et tout ça. Ça m'est passé un peu. C'est rentré dans une oreille, mais c'est pas sorti dans l'autre parce que après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la revoir. Et bref, quand j'ai été la revoir, j'ai pris cette décision de me lancer dans cette aventure. Est-ce que vin et théâtre font bon ménage? Oui, bien sûr, font bon ménage. Non, parce que c'est le même plaisir. C'est le vin, c'est pour donner du plaisir aux gens. Et un plaisir partagé. Le plaisir est d'autant plus grand qu'on partage. Boire un verre de vin tout seul, c'est pas bon. Il faut au moins être deux. Ne serait-ce que pour s'engueuler. En disant, je sais, sinon il y a ça, mais c'est pas vrai. Et puis, deuxièmement, voir une pièce de théâtre tout seul, c'est pas drôle non plus. On a envie de se retourner vers la personne à côté de nous pour dire, c'est bien, hein. Le vin, c'est pareil. Oui, bien sûr. C'est bon, oui. Je sais pas la question, mais oui. C'est pas pour le ménage, mais. Je sais pas si c'est là précisément, mais je serai. C'est pas là. En fait, en ce moment, j'y étais aussi il y a 8 jours. C'est prêt, on se rapproche de. D'ailleurs, je vais racheter une maison parce que c'est pas possible avec lui. Pour une présentation, toujours, ce week-end? Oui, hein? Mais monsieur s'occupe de mon vin dans toute cette région, monsieur Dubus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais visiter toutes les caves, je suis bien reçu. Il y a des centaines de personnes qui m'attendent. Ça veut dire que j'ai des centaines de sourires.